Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les amis. Bienvenue, bienvenue dans l'univers Lance Foot saison 3, l'émission 100% Racine Club de Lance et vous le savez ici, c'est zéro langue de bois à tout ce qui devrait être dit. Ce dit, on est là pour une émission exceptionnelle, puisque nous sommes le, le jeudi, jeudi 1er septembre. C'est un jour inhabituel pour l'Anse-Foot, vous le savez. Mais avec la Dream Team, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas, on ne peut pas euh, rester sans faire une émission avec la soirée d'hier qu'on a tous passée. Donc on s'est dit, voilà, allez, bingo, on arrive un petit peu à l'arrache et on va passer euh, 30-40 minutes avec vous ce soir pour euh, débriefer de cette soirée magique, de cette soirée folle que nous avons tous vécu hier pour m'accompagner dans la Dream Team ce soir. Regardez, Rémi Busine bon. de Brut. Salut mon Rémi. Salut Cyril, salut à tous. Norman Noisette. Euh, ah, Norman, on... il, faut que tu te... il faut que tu te reconnectes, Norman. Ah, il n'est plus là. Il n'est plus là. Bah, bon. ça commence bien. Reviens. Reviens Norman. Euh, ah, Moi c'est bon, ça marche. Ah, bonsoir, tout de Mestère, de l'Ansois.com. Salut. Salut Hello. Salut, ça monde. va Ça va et toi Ça va très bien. Bon les amis, bienvenue euh, également à tous les supporters, vous êtes déjà très nombreux à être connectés, nous sommes euh, en live euh, sur Youtube, Twitch également, et donc euh, Facebook lancefoot.com et euh, Lancefoot officiel. On me dit dans mon oreillette que ça y est, Norman, euh, Norman Noisette est avec Bonsoir, nous. Bonsoir messieurs, dames. Ah, comment il va très, très bien, très très bien. <laughs> forcément avec forcément. la soirée qu'on qu a passée ça ne peut qu'aller vous réagissez à l'émission bien sûr vous connaissez le principe en mettant vos commentaires sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de, de regarder le live et puis on prendra la, la température très souvent pour reconnaître votre avis parce que pour nous euh, c'est important de savoir ce comment vous avez vécu cette soirée dites-le nous euh, on ira faire un petit tour du côté des, des commentaires dans quelques instants euh, donc soirée folle je vous le disais euh, hier avec euh, bah, des supporters on a on a une petite vidéo regardez voilà, ça c'est vous la voyez Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés! Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça? J'adore! Euh, Norman! Ah oui, ça fait du bruit, hein, même là! Hein. Ah oui, ça fait du bruit, oui. <coughs> On, entend, euh, bien. On entend bien. On entend bien. Dis, Norman, ça remonte à quand, tiens, euh, une soirée aussi intense que t'as pu vivre, à part à part parce que ça c'est incomparable le titre 98. Ouais, le titre 98 c'était pas le match, c'était pas Bollard, donc ça s'est fait ça ouais. fait après. Je je sais pas, je réfléchissais depuis ce matin et honnêtement, j'ai pas d'équivalent parce qu'il y a eu des soirées pleines d'émotions mais euh, qui ont pas bien fini. Moi, j'ai en tête euh, la soirée où on doit monter de Ligue 2 en Ligue 1, en fin de première mi-temps, on est premier. En, ensuite deuxième, troisième et puis à la 96e, Amiens nous passe devant et et tous les joueurs sont en pleurs sur le terrain. C'était une soirée exceptionnelle au niveau ambiance. Mais là, il là, y a tout. Il y a le final, il y a le stade plein. Y a... On a vu des trucs. Et à un moment donné, il y avait une chenille et une ola en même temps. Enfin, C'était un bordel général. Mais les gens étaient heureux. Moi, j'ai vu des sourires sur toutes les bouches. Il y avait des pleurs avec l'après-match. Enfin, exceptionnel. Franchement, une soirée exceptionnelle. Et on n'a reçu que Lorient. Voilà. C'était grandiose. Annie un souvenir d'un Lance Boulogne en 2009, je crois que c'est la remontée. Où on avait, euh, il y avait un envahissement de terrain positif pour, la, pour justement le retour en Ligue 1 après la triste saison euh, 2007-2008. Et je me souviens qu'on est sur le terrain avec des milliers de supporters, communier même avec les supporters de Boulogne parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient aussi beaucoup d'affection pour le, pour le Racing Club de Lens. Et euh, ouais, c'est vrai que la, la, la soirée d'hier, bon, malheureusement, moi, je n'y étais pas mais de, même derrière la télévision, euh, enfin devant la télévision c'est mieux. Euh, bah C'était fort, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait une, une émotion forte dans les tribunes. Le match en lui-même et puis bon, l'après-match, on aura l'occasion d'en parler aussi. C'est non, il euh, y a très peu de mots, je veux dire pour pour décrire ce qu'on a ressenti hier parce que vraiment, enfin c'est pour ça. Je me souviens, tu disais justement de cette idée de cette émission. Bah, on en a parlé hier, Cyril. Ça paraissait tellement évident parce qu'hier, on a eu tous eu une émotion. Je pense assez forte avec le match et l'après-match qu'il fallait la partager aujourd'hui. C'est ça, on s'est tous dit, on a un groupe WhatsApp, on s'est envoyé euh, des messages hier et, on et Rémi me dit « Non mais c'est pas possible, on peut pas ne pas faire d'émission euh, ce soir ». Donc euh, je vous avoue que c'était pas du tout prévu. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai appelé Norman, Hilo, euh, toi Rémi, puis voilà, on s'est dit « Allez, on y va ». Euh, on fait une petite émission. Tiens, euh, petit message là, dites-nous, euh, supporters et supportrices, comment avez-vous vécu cette soirée euh, Jonathan qui fait mon fils en avait plein les yeux, un de mes plus beaux souvenirs à Bollard, et sincèrement, enfin, lance à fermer les bouches avec la prolongation de Fofana. Eh bien justement, tiens, passe décisive de Jonathan. On va, euh, avant de débriefer euh, le match, on va parler le show... Euh, c'est Kofofana, quel suspense, quelle mise en scène déjà, euh, chapeau, franchement chapeau, je tire un, un grand coup de chapeau à la com du club, ils ont été très très forts, euh, moi je suis fan de ce, de ce genre de, de choses, euh, donc suspense insoutenable, C'est Kofofana au final prolonge jusqu'en 2025 et reste au RC Lens, c'est le temps fort de la soirée, même encore plus que la victoire, euh, Rémi, message passé au reste du foot français mais même pas qu'au foot français. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'étais en train de regarder les retombées médiatiques. Il y a des articles dans tous les pays européens, voire plus, parce que c'est vrai que cette, cette mise en scène justement de cette prolongation de contrat, elle est extrêmement forte. Enfin, je veux dire, déjà, il y a le côté sportif par rapport à ces fana où il a été attribué à de très nombreux clubs européens, donc il y avait un épilogue qui intéressait un peu aux quatre coins de l'Europe de savoir où il va atterrir. Il prolonge à la lance, donc message extrêmement fort d'un point de vue sportif. Et puis l'image, je veux dire, tout le monde, les téléphones allumés dans un stade, ça fait penser au meilleur moment quand on va à des concerts et qu'il y a ces moments un peu où on se retrouve tous ensemble à fredonner sur des musiques qu'on adore. Bah là, c'est avec le Racing Club de Lens, pour un joueur qu'on adore tous, qui nous fait frissonner de plaisir depuis deux ans et qui nous fait frissonner un peu de peur depuis quelques semaines maintenant parce qu'on attendait avec hâte At la fin du, du mercato. Et puis le club qui a réussi à garder cette confidentialité jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on avait quelques petits bruits, je veux dire, du côté des journalistes en, en fin d'après-midi. Je pense qu'on a tous voulu aussi garder la surprise parce que c'était important que justement euh, voilà, il se passe quelque chose aussi vis-à-vis -vis des supporters. Et c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, l'émotion du joueur, la signature sur le terrain, les chants. Enfin, à tout Alors, niveau, on a vécu un moment fantastique. Justement, tiens, Héloïse était dans, le, était dans le stade. Elle a filmé. Elle a fait une petite vidéo là pour, euh, pour lance.com. Regardez, on va la voir. Juste un petit extrait. Ah, ça, c'est pas celle des lots. Si, 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 si c'est celle des ça. Regardez, vous la voyez, ça. Alors voilà. Tout le monde allume les lumières, petit à petit. Tout le monde est en train de comprendre la mise en scène. Et là, ça commence à chanter. Ah, j'en ai des frissons, quoi. Un truc de fou. Ça, c'était extraordinaire. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. À ce moment-là, j'ai vu absolument personne quitter le... son siège, en fait. Il n'y avait personne dans les escaliers. Tout le monde était vraiment arrêté. Ah, bon, on va pas la mettre entièrement parce que elle dure longtemps. Mais, 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 voilà, même presque 24 heures. Enfin, pas 24 heures, mais voilà. Le lendemain, euh, on regarde ça. Euh, on en a encore des, des frissons. Alors, et, mais à culpa cool pas parce que. Euh... De, de du Harcelan, c'est là un million quatre de vues. C'est énorme, c'est monstrueux. Mais à culpa, cool hein, euh, Et je le fais également par, euh, pour Yohann, puisque Yohann <laughs> et moi, on était les deux seuls de la Dream Team à dire que c'est allait partir. Donc voilà, et j'ai perdu un pari, euh, un pari en interne avec Héloïse. Euh, donc voilà, voilà, il faut que je lui paye, je lui paye un petit resto. Donc je vais lui payer <laughs> ça euh, prochainement. Euh, négo, euh, Négociation concernant Seko euh, bien menée hein, pour prolonger euh, et augmenter euh, euh, le salaire. Accord trouvé apparemment le matin du match, hein, selon les, les dernières infos. Le président a dû casser sa tirelire. Euh, Héloïse, une vraie prise de risque, mais passage obligé pour, euh, on va dire, changer de dimension. Oui, bah, tu, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le, le signal fort, pour le coup, tu, tu montres vraiment que maintenant tu es en capacité de garder un, un joueur qui a une aura euh, européenne, internationale, tout ce que tu veux, parce que Seco, euh, même si euh, voilà, les clubs anglais n'étaient pas forcément au rendez-vous sur ce mercato, qu'il n'y a pas eu forcément vraiment de, de grosses négociations euh, avancées sur, sur le sujet, euh, on parle quand même d'un Seco Fofana qui, qui pèse énormément. Euh, dans le jeu, dans les statistiques, qui, qui porte une équipe. Donc, euh, de, de pouvoir trouver un accord avec ce, ce type de joueur, de, de confirmer, de remettre encore trois ans de contrat, parce que trois ans de contrat, c'est pas rien non plus. Euh, tu prouves que, que voilà, tu es en Ligue 1 depuis deux ans maintenant, un petit peu plus. Euh, tu as les épaules pour assumer ce, ce nouveau statut. Donc, euh, c'est un très beau message. Et justement, d'avoir fait ce, ce plan de com' euh, dans le rond central avec, euh, avec tout le monde à Bollard autour, tu. Tu sais que tu, tu vas forcément attirer un petit peu l'œil. Tu, tu... Vraiment, c'est très, très bien mené. Je, je, vraiment, je trouve, ça, je, je trouve ça impeccable. C'est vraiment un 10 sur 10. Tu prolonges ton joueur, tu le représentes devant tes supporters. Et en plus, tu as gagné 5-2 avant. Enfin, ta soirée, elle est, ouais, est 10 sur 10. Et sincèrement, c'est une masterclass, tout simplement. Et je trouve que Cyril, pour rebondir sur ta question, il n'y a, a pas de prise de risque. Aujourd'hui, tu, tu... Tout ton projet était construit il y a deux ans autour de Secofofada, c'est comme ça qu'il est venu à Lens et, et tout le monde sait que euh, il avait des offres de, de Milan de clubs prestigieux. Il est venu à Lens. Et aujourd'hui, le fait de choisir, alors c'est exceptionnel, c'est-à-dire que ça n'existe plus dans le foot aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'autres exemples là dans les dix dernières années d'un mec qui refuse euh, des, des, des très grands clubs et euh, des salaires beaucoup plus importants parce que même s'il a été fortement valorisé à Lens, il reste euh, en deçà de ce qu'il pourrait espérer s'il partait dans un club du top 5 anglais. Donc euh, c'est une super belle histoire qui est en train de s'écrire, c'est un vrai mec avec des valeurs qui euh, qui, euh, qui tient son engagement et puis la com, on euh, vous en avait parlé et moi je tiens à souligner personne est au courant, enfin à titre perso. Mmh. moi je j'ai jamais entendu parler fuiter de quoi que ce soit sur un projet com et au stade euh, quand on a vu les lumières s'éteindre à la fin du match très vite pour éviter justement que les gens ne partent, tout le monde s'est dit mais il se passe un truc. C'est qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, c'est magique. Et, et voilà. Donc tu cites ton joueur, tu le, tu le renforces, tu, tu envoies un message. Alors tu parlais tout à l'heure, mais tu envoies un message aussi à tes à, à euh, autres joueurs c'est à dire que ceux qui viennent aujourd'hui c'est qu'au Fofana ils restent mmh. on va pas partir pour rejouer la 7ème, 8ème, 9 place là ils vont arrêter de se cacher derrière le petit doigt parce que quand un joueur qui va être euh, quand même euh, dans, dans les plus euh, prisés il y a, y a un consultant sur l'équipe 21 hier ils en ont parlé 2 minutes 20 on peut en parler aussi de dire que voilà 2 minutes 20 lance, apparemment <laughs> ça mérite pas plus mais euh, j'ai mesuré, j'ai chronométré enfin un il l'a fait pour moi <laughs> hein? euh, et, et 6 minutes sur Monaco qui est euh, qui toujours pas ah, gagné mais bon super. Euh, un Constant qui disait mais Fofana est, est, est démesuré pour ce club oui c'est-à-dire qu'en fait il, il peut prétendre à beaucoup plus donc euh, là, là c'est pas Fofana euh, Samuel Duhamel que vous connaissez peut-être qui est un journaliste euh, a fait un tweet ouais. qui est hyper intéressant il met quand un joueur part pour un club de standing supérieur on dit qu'il franchit un palier il dit hier ce n'est pas Seco Fofana qui a franchi un palier c'est lui R.S.Lance et ouais. il a tout à fait raison Exactement. on vient de passer un palier et on vient de rentrer dans une autre dimension mais tu sais tu... tu, tu euh... Et je suis, suis d'accord avec toi quand tu dis que l'équipe 21 ou d'autres médias parisiens ne parlent pas beaucoup du RC Lance, Vous allez voir. Alors là, vous allez voir d'ici la fin de saison, le RC Lens, on va en parler, mais de plus en plus. Parce qu'on est vraiment en train de devenir une référence, déjà depuis quelques saisons, mais là, on a encore marqué un grand coup euh, hier. Et je peux vous garantir que tous les journalistes parisiens, tous les médias parisiens vont commencer de plus en plus, ils commencent déjà, ils vont commencer de plus en plus à accorder. Une vraie importance dans leurs journaux, dans leurs émissions, et ça, c'est sûr un certain. Oui. Mais, mais tu sais Cyril, ça grossit à ce niveau-là parce que je, voilà, pour les accréditations de presse, j'ai souvent un petit, un petit coup d'œil dessus et je vois les nationalités, je vois les médias qui arrivent. C'est autant vraiment sur les premières saisons, c'était très français, francophone. Euh, je sais que dernièrement, on a eu un journal de Suède, on a eu de l'Espagne, on a eu du Portugal, on a eu du Brésilien aussi qui est venu. Enfin, tu vois, tu, tu commences vraiment à avoir une presse internationale, alors réputée, pas réputée, euh, son lectorat, machin, j'en sais rien, mais euh, des, des journaux de, de l'étranger que tu ne voyais pas avant, ouais. qui, qui prennent l'avion, qui viennent à Bollard et qui vont suivre le match. Donc, c'est aussi un, un petit signal, je pense, sur, euh, sur ce qui nous attend pour la, la suite de la saison. Ouais. Euh, alors sans lui, euh, euh, non. D'abord je voulais, je voulais parler de cette euh, pseudo blessure donc elle n'était pas du tout euh, la blessure n'était pas elle. diplomatique c'est une vraie ouais, blessure. Elle a euh, fait peur. Euh, il ouais, 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 va falloir patienter un peu avant de le revoir. Euh, on a des news euh, sur la blessure là de Rémi euh, Héloïse vous avez des news là sur euh, ouais, la blessure ouais, de Seco. Ouais, il, il, euh, il y aura des examens lundi mardi pour être un peu plus fin, comment dire. Quand, euh, pour euh, dimanche, ça risque d'être très compliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une déchirure du, du mollet, en fait, un hein, grade 1, donc qui n'est pas très, très grave. Mais ça reste une blessure musculaire et ça reste une lésion, donc euh, c'est toujours délicat. Euh, je sais que Franck avait dit euh, lundi, mardi qu'il y aurait certainement un, un, un nouveau test qui serait effectué. Mais euh, ça ne devrait pas durer trop, trop longtemps, mais ça dépend de la façon dont on s'est soigné. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ce genre de blessure. Alors, euh, tiens, un petit message de qui, euh, Fabrice, tiens, qui fait je je, je regardais l'équipe et il voit Lance à la fin dans le top 3. Ça serait magnifique avec ce que l'on produit, franchement, je le souhaite et je dis bravo. Et sur le côté médiatique, franchement, c'est sûr qu'on a envie de voir du lance partout. Mais souvenez-vous l'année dernière quand Lance le, était deuxième à la trêve, où il y a eu beaucoup de médias qui sont intéressés à Lance. Voilà, avant Brest, ça a peut-être aussi été un... Moi je dis avant son masqué, ça se passe bien. Euh, des fois, la pression médiatique, c'est aussi quelque chose. Alors, je pense que cette année, le vestiaire est beaucoup plus préparé à, à vivre avec cette pression que peut-être l'année dernière. Mais euh, moi, ça me va très bien comme ça, qu'on avance comme ça et qu'on continue les, au, niveau des, au niveau des performances. Parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait beaucoup de médias qui s'étaient enchaînés. Et, et des fois, ça, ça peut apporter une pression supplémentaire. Tiens, regarde, message de Balducior. Hello, je suis supporter de Bruges. Content qu'Openda ait trouvé un bon club pour s'épanouir. Bonjour, la Belgique. Mais au Down, on n'a pas fini d'en parler, je vous le dis aussi. Ah, ouais, ouais, lui, c'est un phénomène. Ouais. Phénomène. Et, mais... et, et dernier point, juste pour revenir aussi sur le match, c'est que on voit que sans Fofana, euh, sans Frankowski, euh, avec des joueurs qui ont fait leur première titularisation, on se rend compte que le système est tellement en place, tellement rodé, que, que le système est au-dessus de la qualité intrinsèque des joueurs. Bien sûr que la Fofana amène énormément, ouais. mais par contre, hier, c'était indolore. C'est-à-dire que. Le, ça roulait, un rouleau compresseur. On va y revenir, Norman, on va y revenir. Et euh... et à ce match. Euh, dans, un, dans, point, dans le débrief. Vas-y, un dernier. Un, un dernier, dernier point très rapide sur la prolongation et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue contractuel, c'est qu'il prolonge jusqu'en 2025. C'est-à-dire que s'il restait à Lens et qu'il ne prolongeait pas, Lens aurait été en position de très forte vulnérabilité dans six mois, un an, parce qu'il ne restait plus qu'un an de contrat, comme on l'a pu voir avec, euh, avec Jonathan Klaus. Et ça jouerait aussi sur une potentielle indemnité de transfert. Ça veut dire que là, il a trois ans de contrat et que l'année prochaine, si le joueur était à nouveau convoité, bah, le club sera aussi en position de force. Et ça, c'est quand même le sera. une bonne chose. Et ça, euh, bah oui. Et donc euh, c'est un deal qui est à, à tout niveau, revalorisation pour le joueur, pour le club d'un point de vue financier et sportif. C'est une bonne affaire pour, pour tout le monde. Et euh, on ne peut que se solliciter de ce qui s'est passé hier. Allez, avant de, de, de rentrer dans le débrief justement du match et de parler du jeu et parler de cette soirée, euh, ce qui s'est passé sur le terrain, Stéphane, pour clôturer, il fait hey, « Eh, Prime Vidéo peuvent s'en fouloir ouais. d'avoir ouais. rendu l'antenne si rapidement comme d'habitude hein, et louper un spectacle pareil, un buzz même. Énorme cette direction. Merci du fond du cœur pour avoir sauvé ce club, d'avoir amené ce peuple sang et hors à un niveau de fierté pareil. Euh, » C'est vrai que là, Prime Vidéo, je peux vous dire, le lendemain, euh, le rédacteur en chef, il a dû euh, se mordre un petit peu les cacahuètes parce que vu la fiesta et vu comment tout le monde en parle aujourd'hui, là, ils se sont passés à côté du truc. Mais bon, c'est prime. Euh, ah ouais, non, mais. <laughs> euh, on y va, on parle du jeu déjà. Les, ah, les, bah, les buts, Norman. Cinq buts splendides, magnifiques. Extraordinaire. Extraordinaire, il y a tout. Il y a le talent individuel, il y a le collectif. Et le collectif à droite, le collectif à gauche. Il y a, il y a Openda qui a, qui a envoyé, je ne sais pas quel défenseur. Il y a 28 qui et je pense qu'il a fini sur la ville d'Arras. Et même la ville d'Arras a marqué, oui, oui, on l'a, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant Donc, très drôle. Euh, non, mais il y a tout, il y a, il y a, alors, il y a une puissance collective. On ne va pas se mentir, à 2-2, euh, je me suis revu 2-3 ans en arrière en me disant, putain, mais on savait tous qu'à 2-2, il y a 3 ans, tu finissais à 3, 4, 2 pour Lorient et que, que c'était mort. Et là, il y avait une forme de sérénité. Moi, les gens à qui j'étais au stade me disaient, non, mais t'inquiète, on va en remarquait 1, 2, 3. Et objectivement, on t'en met 6. Il euh, n'y a pas scandale. Euh, ouais. t as, t as, tu mets cinq buts quand même, cinq enfin buts, et ils sont tous extraordinaires, des actions extraordinaires. le premier but c'est un cas d'école. Et il y a le but d'Abdul Samed. Toute l'équipe touche le ballon, ça dure 1 minute 30. C est, c est un alors justement, jet, alors justement Norman, tiens, il y a, y a Laurent Mazur là, qui, a, qui a sorti une, une stat. Le troisième but du Lens, donc celui de, de Samed, il est précédé d'une construction longue de 1 minute 16 et de 25 passes. C'est exceptionnel. C'est C'est un collectif monstrueux, et tu arrives, et, et, euh, et, arrive et c'est facile. Alors, pourtant, Lorient, en face, pour le coup, ça joue. Je comprends un peu mieux qu'ils aient été vaincus, etc. Parce que ça joue quand même un peu Lorient, et ils avaient tactiquement, je pense, trouvé la bonne solution pour, pour bloquer un peu les, les milieux de terrain. Mais alors, qu'est-ce que ça déroule Ça déroule, ouais, le... et puis... Et puis, encore une fois, y a, y a, quand le collectif est un peu en difficulté, tu as un petit éclair individuel. Sotoca, on va en parler quand même. Ah bah attends, but, hein, parce que Neymar, il le met. Ça des médias de la planète entière. Hein. Le, attends, chef d'œuvre. Le centre, le centre sans contrôle là, de Machado, Sotoka qui coupe au premier poteau extérieur droit. Attends, ça c'est une. Non mais là, tu te en régales. Genre. Quand tu vois ça, tu te, tu te régales. Euh, tiens, euh, quel est votre, euh, le but que vous, qui, qui vous fait le plus kiffer, Héloïse, parmi les, parmi les cinq, parce que comme euh, ils sont tous aussi beaux. Je dirais Wesley Saïd parce que j'étais vraiment à deux mètres et je me souviens avoir mis l'appareil photo à côté de ma tête pour regarder moi le, le but réellement et prendre les photos en rafale à côté, me dire sorte de question que je rate ce truc. Uh -huh. C'est incroyable. J'ai l'impression que l'action a duré deux heures tellement il s'est promené avant d'aller faire. Enfin, vraiment, ouais pour moi, c'est le deuxième. Le but de Wesley Saïd, il m'a vraiment scotché. Et toi, Rémi le but d'Abdoul Samed, parce que c'est euh, vraiment du football champagne, c'est le football qu'on aime, c'est vraiment euh, à montrer dans les écoles. quoi. On lève la tête, ça joue en une touche de balle, donc tu as à la fois la, la qualité technique, tu as le, le, vraiment la, la, le sens de la vision du jeu, et voilà, tu sens que c'est un collectif qui est très bien huilé. Enfin, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est vraiment le football champagne. Quoi. Et euh, puis la conclusion euh, au top. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le but de Wesley Saïd, il a quelque chose aussi. D'un point de vue technique, ça aurait été, euh, on parle du but de Sotoka, mais techniquement, euh, c'est Neymar qui fait la même chose. C'est pareil aussi. Hein, ça fait voilà, il ouais. dirige trois joueurs, il joue en une touche avec David Perrada-Costa qui la remet directement. Donc là aussi, vision de jeu super, complémentarité entre les deux joueurs. Et il fait un festival en la surface avec sérénité. Là aussi, tu retrouves toute la qualité technique d'un joueur comme Wesley Saïd et qui justifie aussi euh, bah, les sommes qui avaient été mises par des clubs comme Toulouse il y a quelques années. Euh, alors là on va faire intervenir dans, dans quelques instants là, notre, notre consultant euh, arbitre euh, officiel Rémi Serpo, Parce que justement là j'ai une petite question à lui poser Et, euh, et Rémi va pouvoir, euh, va pouvoir en débattre dans, dans quelques instants, il devrait, il devrait arriver sur, sur l'antenne Avant, euh, petite stat, Lance n'a plus perdu les amis depuis le 3 avril euh, 13 matchs, 9 victoires, 4 matchs nuls, 8 matchs consécutifs euh, à Bollard avec au moins deux buts inscrits. Euh, Héloïse, l'attaque lançoise tourne à plein régime avec 15 buts. Euh, le Racing signe d'ailleurs sa meilleure performance en, en la matière depuis la saison 85-86. C'est... Tu veux que je te dise Franchement, c'est sensationnel. Surtout qu'en plus, tu vois, tu, tu perds Calimondo... Euh, euh, enfin, tu perds. Il repart dans son club et on ne te le reprête pas, on va plutôt dire ça comme ça. Et d'ailleurs, tu signes un joueur, alors c'est mon avis purement personnel, qui est meilleur. Vraiment, Loïs Openda, je trouve qu'il ouais. est plus complet, plus avancé, en tout cas en termes de progression, que Kalimondo. Et il arrive et ça colle tout de suite avec Sotoka, avec Perra... Enfin, tu as l'impression qu'en fait, on, on l'a posé ici. On a dit, lui, il faut jouer comme ça, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. Et puis, allez-y et ça fonctionne donc enfin il a une capacité de d'intégration et de comment dire de connaissance de ses partenaires en ayant eu très peu de contact avec eux parce qu'il est arrivé début du mercato il a joué très rapidement et, euh, et ça fuse en fait enfin c'est c'est impressionnant et je me dis vraiment les, les enfin le festival offensif qu'on a eu je sais pas s'il va se répéter sur plusieurs matchs cette saison mais euh, si les joueurs continuent de se trouver comme ça, on peut faire une saison à je ne sais combien de buts. Enfin, Open Day va finir à combien là Au <laughs> <Son rire> mois de mai, ça peut... Je ne sais pas si ça va faire 30 buts, mais c'est. Franchement, c'est très très fort. Très, très fort. Et, et une stat qui est hyper intéressante, c'est qu'hier, il y a huit joueurs qui sont impliqués sur les buts. C'est-à-dire que voilà, si on retire le gardien, il n'y a que deux joueurs qui n'ont pas été décisifs, que ce soit dans la dernière passe ou dans le but. Donc huit joueurs, et ça vient de partout, ça veut dire qu'il y a des buts de partout. Euh, Franchement, c'est, on avait entrevu ça l'année dernière un petit peu, ça s'était bonifié par rapport à l'année d'avant. On avait vu que c'était dangereux, il y avait eu un gros trou d'air, euh, un banc peut-être un peu plus léger. Là, là franchement, euh... alors Paris est devant et pour moi on fait pas le même championnat donc on se comparera pas, mais. Euh... Mais je vois pas. Enfin, c'est impressionnant. Encore une fois, on ouais. peut prendre. Moi, je peux bien prendre deux buts à chaque match si on en met si cinq. Si hein. tu mets cinq, ouais, oui. c'est clair. Non, mais... Moi, je chine. Moi, je tout de suite. Et, et c'est la philosophie de Francky. C'est-à-dire que je pense que ouais. Franquet signe dix fois pour un, un 5-2 plutôt qu'un 2-0, où on se fait chier. Donc euh... bah non, mais c'est ça. À partir du moment où tu marques toujours un but supplémentaire, de plus ah que, mais... que l'adversaire, c'est bon, hein, t'es tranquille. Hein. Euh, on va accueillir notre. On va par contre. Mais, ah. mais... Ouais. <laughs> si à propos, tous les matchs, tu prends deux buts. Tu pas Allez, pour clôturer, toi... pour clôturer, pour euh, clôturer Rémi, et ensuite on reçoit notre consultant euh, arbitre officiel, Rémi Serpo, euh, Rémi Buzine, pour clôturer ce sujet. T'as un propos qui est très intéressant justement dans la progression sur les dernières années, c'est le propos de Francas qui dit justement au moment où il prolonge, qui réfléchit à se dire, est-ce que je peux encore faire passer un cap à cet effectif Est-ce que je peux encore passer un cap avec le racing ben On le voit d'année en année. C'est-à-dire que tu gagnes en qualité, tu gagnes aussi en stabilité, et puis tu as une profondeur de banc. On se souvient durant les deux dernières années, on était à se dire, bon, tu as une équipe type sur le terrain, c'est top, mais sur le banc, ça suit pas forcément. Là aujourd'hui, tu vois, au milieu de terrain, tu as quatre joueurs maintenant qui peuvent pour deux places, quatre joueurs qui semblent de bonne qualité parce que Poreba il a fait une bonne, une bonne entrée globalement. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire que le projet euh, avec le Racing de Francaise, ça continue de monter d'un cran à chaque fois, et même lui il progresse avec, avec le Racing. Donc, c'est euh, de voir aujourd'hui jusqu'où peut aller euh, cet effectif, ce club, euh, grandir aussi avec le recrutement. Il euh, bon, y a plein d'autres choses qui rentreront en compte avec l'entrée d'un investisseur par la suite. Donc, euh, c'est super encourageant de voir qu'à chaque fois, on monte, on monte d'un grade. Allez, on accueille notre consultant oui. officiel. D'arbitre, monsieur Rémi Serpaud, comment il va, mon Rémi Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, je vais très bien, j'ai passé une très ah bonne bah heure oui. hier ouais. soir. Bah Rémi, as l'air fatigué, il est, il est 20h, il est pas 16h, donc oui, c'est bonsoir. C'est il va ça. ça va, bon. Ça super, super, super. Et pour l'anecdote, euh, j'étais à la caserne, puisque je suis sapeur-pompier volontaire, et, et ouais. la caserne a été littéralement retournée euh, par les <laughs> collègues présents hier et qui regardaient le match à la télé. Ah, excellent. Ah, un très très bon souvenir euh, avec les collègues. Rémi, euh, je voulais avoir euh, ton, ton point de vue sur, sur un point précis. Euh, l'arbitre, avec une question très simple, est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le jeu euh, Car sur le, le premier but de Mofi, euh, Saïd est blessé. Il est au sol. Euh, et donc à ce moment-là, on le rappelle, Lance euh, est en infériorité, en infériorité numérique, ils sont à 10. Est-ce que l'arbitre doit interrompre le jeu ou pas alors non, dans le cas précis, il n'y avait pas lieu d'interrompre le jeu. Saïd euh, se, se pose à terre, on le voit, il marche, il, de, de lui-même, il, il se pose à terre. Il n'y a pas de blessure grave dans le sens où ce n'est pas quelqu'un qui a perdu conscience, ou ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui a une jambe à, à l'équerre. Et surtout, et c'est là où, où l'arbitre euh, prend en considération, c'est une information que l'arbitre va prendre en considération pour, pour, pour arrêter le jeu, c'est est-ce que le joueur interfère avec le jeu euh, là, là où était placé Saïd, il n'interférait pas avec le jeu, c'est-à-dire il ne gênait pas les défenseurs, il ne gênait pas l'attaque, euh, il ne gênait pas l'évolution du jeu, euh, et donc l'arbitre a, a naturellement et légitimement euh, laissé le jeu se poursuivre. Si Saïd s'était écroulé au milieu de la surface de réparation d'Ansoise, l'arbitre aurait immédiatement arrêté le jeu. Nous pouvons faire un parallèle avec enfin, d'autres situations qui sont plus classiques sur des, des ballons. Quand il y a un deuxième ballon qui rentre sur un terrain, euh, si le ballon il rentre à l'opposé du jeu, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Si par contre le, le, le deuxième ballon rentre dans, dans l'air dans laquelle se déroule l'action, l'arbitre arrêtera le jeu. Donc ici, pour répondre à ta question Cyril, il n'y avait pas lieu d'arrêter le jeu et donc le, le but est normalement validé. Là, Ré Rémi, euh, une petite question. Le, le fait que les joueurs l'en soient et un peu euh, certains avaient avait un peu arrêté en disant mais voilà, il est à terre, machin, euh, la, la, ça ne peut pas être pris en compte par l'arbitre alors non, et chaque année euh, la consigne est donnée, répétée, re-répétée. Le seul apte à arrêter le jeu, c'est l'arbitré. Donc vous avez beaucoup de coachs qui le répètent, y compris sur les terrains amateurs. Tant que le jeu n'est pas arrêté, il faut jouer. Euh, c'est un peu pareil sur les avantages. Là, si on regarde la situation et, et au moment où Saïd s'écroule, moi je, je vois qu'un seul joueur qui, qui, qui s'arrête complètement, c'est Sotoka qui lève les, les mains tout de suite. La défense lançoise continue à jouer. Après, l'arbitre agit intelligemment. Je veux dire, si les quatre défenseurs étaient oui. complètement arrêtés, l'arbitre, de manière intelligente, aurait, aurait arrêté le jeu. Mais la consigne qui est donnée et, et sur laquelle il faut vraiment insister, hein, et, et, y compris dans les clubs pro, c'est que tant que le jeu n'est pas arrêté, ça C'est seul l'arbitre est apte à interrompre le jeu. Mais ça a été bien en commentaire, mais il y, y a eu le même cas quand on marque contre Paris, c'est-à-dire Messi ouais. qui, qui tombe et l'arbitre qui laisse jouer. Et, et Verratti qui arrête de jouer, qui permet à Fofana d'avancer, de ah frapper. Oui. Donc, on l'avait eu à notre faveur. Ouais. Après, non, tu, ap, après, tu dis qu'il n'y a que l'arbitre qui peut arrêter euh, un match. Euh, non, attention, il y a aussi euh, Rémi Buzine s'il traverse le terrain tout nul, Ziziale. <laughs> <laughs> Alors ça, ça, ça c'est pas prévu dans les lois du jeu. Hein. Je <laughs> pas le carré de l'usine. Heureusement. Merci mon Rémi. Merci, mon, Passe une belle soirée. Toujours un plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Salut. La bise. La bise. Ciao, ciao. Euh, euh, les copains, euh, un trio magique. Vraiment. Sotoka, Machado, Abdul Samed. Sur ce, sur ce match. Euh, Sotoka. Alors, on va s'arrêter sur Sotoka parce que là, je pense qu'il faut, il faut, il faut lui rendre hommage ouais. sur, ce, sur ce match. J'ai l'impression que le mec, il progresse de semaine en semaine. Ça fait plusieurs saisons qu'il progresse. Mais va où va-t-il s'arrêter euh, Il a toujours le choix juste. Euh, il a un doublé. Qu'est-ce que vous pensez de ce, de, de ce match euh, Tout d'abord, tiens, Rémi, le match de, de Flo Sotoka. Mais. Euh... <laughs> C'est incroyable parce que on a l'impression c'est comme le bon vin il se bonifie avec le temps. Enfin c'est un parcours assez impressionnant. Il arrive il découvre la Ligue 1 je crois à 28-29 ans et, et euh, à chaque fois il passe un cap supplémentaire. À chaque, on se souvient parfois même de la frustration qu'on avait avec Fosso Toka en Ligue 2 du manque de réalisme etc. Et ben, il a, il, à chaque fois il a réussi à passer un cap. Et là c'est vrai que cette saison encore une fois alors déjà la précédente il avait encore franchi ce cap là c'est que il est quasiment indispensable. Euh, je veux dire, il est très difficile à cerner parce qu'il décroche, il fait le lien entre le milieu de terrain, l'attaque. Tu peux le retrouver partout. Il est généreux dans l'effort, il est de plus en plus juste techniquement. C'est-à-dire, dans la finition, on voit qu'il a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, bah, il se retrouve, voilà, on est à la cinquième journée de Ligue 1. Et il a marqué cinq buts. Donc, euh, il est à la fois décisif, précieux sur le terrain. C'est un leader. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, il est hier eu le, le brassard de capitaine, ça veut aussi dire beaucoup en l'absence de, de, de Seiko Fofana donc euh, indispensable clairement et euh, le petit Buxa euh, enfin le grand Buxa quand il va arriver bah, il va falloir se faire sa place parce que là Sotoka il est bien installé euh, Machado Machado là, tiens, qui... Euh, Norman, tiens, sur, 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 sur Machado, parce oui. que alors lui, euh, en, on parle de Sotoka qui monte en puissance, mais, mais Machado, euh, c'est pareil, inarrêtable dans son couloir. Hein. Gros match, gros match, euh, énormément d'intensité. Euh, pour le coup, on parlait de Sotoka je les ai trouvés assez complémentaires parce que c'est arrivé une ou deux fois qu'il se fasse prendre le ballon un peu haut et j'ai vu de Sotoca taper des sprints de 60-70 mètres pour venir combler le trou. Euh, mais Machado, gros, gros match parce que il a fait le taf devant... Euh, très bien, mais alors derrière ça a été, euh, ça a été solide aussi. Moi, euh, ouais, très surpris. Après, c est, c est, ça confirme sa ça montée en puissance de fin de saison dernière où on avait pressenti quand même sur les derniers matchs qu'il y avait un vrai potentiel. Et, et euh, c'est un peu la, la, la baguette magique de Hayes hein, qui prend des joueurs euh, qu'on dit un peu euh, ou euh, sur la fin ou, ou euh, impossible à rétablir et puis euh, il arrive à les surpasser. Et là, franchement, euh, chapeau. Gros match de Machado aussi. Ah, attendez. Ah, normalement, on a. Ah! Vous entendez, ça c'est la sonnerie Mercato. Apparemment, une, on a une news Mercato. Ah, oui. euh, Héloïse de l'Ansois.com, quelle est cette news Mercato, les 20h05 Et depuis, bah, Je crois que depuis peu, c'est officiel. En plus, je sais que nous, on, enfin, je ne suis plus chez l'Ansois.com, ça a dû sortir il y a une petite demi-heure. Euh, c'est euh, Mamadou Kamara, ou Koto Camara, vous l'appelez comme vous voulez, euh, qui, qui est prêté à Bastia euh, en Ligue 2. Donc, il va retrouver Tom Ducrot qui est également prêté là-bas. Euh, pour ceux qui ne le resituent pas, parce que Koto, on l'a pas vu beaucoup la saison passée, c'est un jeune euh, qui doit avoir 19-20 ans, je crois, qui est arrivé de, de Dakar, d'une académie africaine qui, qui, euh, qui est très subie par le Racing Club de Lens depuis, depuis quelques temps. Et en fait, donc voilà, il est arrivé l'an passé pour jouer avec la Réserve et puis espérer monter en pro rapidement, sauf qu'il a été blessé. Euh, assez longuement, donc c'était un peu compliqué. Et puis là, voilà, il lui reste encore euh, encore deux ans de contrat. Et comme ça serait bien qu'il qu franchisse un palier, qu'il s'affirme dans le monde professionnel, donc il est, il est prêté sans option d'achat à Bastia en Ligue 2. Voilà. Euh, Devrait, je l'espère, avoir un peu de temps de jeu. Voilà. Voilà. Dernière news Mercato Merci. Hello. Euh, on surveille, on continue de surveiller, bien évidemment. Dès que tu as une news, tu me le dis. On balance la petite euh, la petite euh, sirène Mercato. Ah. Ah. Euh, Norman tiens euh, on va parler de Wesley Saïd qui, qui, qui a dû sortir euh, juste avant la pause hein, lors euh, de ce match il a senti quelque chose derrière la cuisse euh, un petit peu comme l'an passé alors ça c'est gênant euh, ouais. c'est un petit peu le même genre de, de blessure est-ce que c'est problématique pour toi bah, c'est problématique parce que c'est comme pour le coup récurrent moi j'ai vu un peu les images j'ai pas l'impression qu'il y ait de contact donc est-ce qu'il se fait ça tout seul il, il, va, il va au contact mais il n'y a pas de contact physique vraiment euh, il tombe et, il, et effectivement j'espère que c'est ça, ça sera pas trop long et euh, surtout que oui ça revient toujours au même endroit à la même jambe. C'est dommage parce que pour le coup moi je trouvais euh, je trouvais bien frais. Euh, il était au taquet, il, il était bien rentré quand il était rentré. Là il laissait entrevoir de des choses quand même très intéressantes mmh. en étant titulaire. Euh, il est un cran plus bas en plus euh, utilisé donc ça pouvait euh, ça peut donner des solutions euh, au milieu de terrain. Je sais pas. Est-ce qu'on a des nouvelles de, de, de un les, la blessure deux moi j'ai entendu parler de plusieurs semaines mais euh, ça, 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 Héloïse je trouve ça inquiétant <laughs> Héloïse ouais, Ramy, vous avez paf. des nouvelles oui dernière nouvelle ça pourrait être compliqué de le revoir euh, avant, avant, avant la prochaine la trêve. trêve internationale qui va être euh, la semaine du 19 septembre si ouais, 18. Je dis, ouais, 18. ouais 18 ouais. 18 à partir du 18 ouais le dernier match c'est le 18 donc euh, ouais pas avant fin septembre ça me paraît très compliqué euh, si en plus voilà, c'est encore musculaire c'est ouais. ouais pas avant fin septembre Tiens, on a une question. Euh, on a une question de qui De euh, Orano. Coucou les Loulous. Alors du coup, tiens, petite question. Est-ce que Cabot pour vous et pour Aise a pris des, des points jusqu'à avoir une place de titulaire Qui veut répondre à Orano bon, Rémi en, en tout cas, il a fait un très bon match. Euh, C'est bien pour la concurrence à ce poste-là. Mais Frankowski montait aussi en puissance. Bon, après, ce qui est pas mal, c'est que comme il y a la Coupe du Monde qui va arriver euh, là, cette saison de façon très particulière, on va enchaîner de très nombreuses fois des matchs tous les trois jours. Donc il va falloir faire tourner plus que d'habitude. Euh, donc en soi, il y aura, du, il y aura euh, du temps de jeu pour tout le monde. On peut imaginer par exemple que ce week-end, euh, le coach veut faire reposer Matchado et il met Frankowski de l'autre côté et il permet de à ce que Cabot puisse continuer à jouer. Tu as à peu près trois joueurs, en tout cas potentiels titulaires, pour deux places. Euh, donc euh, donc euh, ouais, il a marqué des points, après il était un peu absent sur le sur le premier but l'orientait, mais bon, ça rappelle parfois un peu les absences de Joe Close qui avait parfois un peu du mal sur le repli défensif. Mais globalement, euh, beau match, techniquement euh, assez, euh, assez précis, et puis la hargne voilà, la fou qu'on retrouve c'est ce joueur qui correspond très bien à la mentalité qu'on veut avoir à l'ens et euh, au rôle très impliqué des pistons. Je dirais juste que tu as, as un profil complémentaire à, à Frankowski. Moi, je pense que sur des matchs où tu es amené à, à avoir la domination et à devoir mettre de l'impact devant, euh, Cabo est beaucoup plus intéressant. Euh, en revanche, des matchs où tu sais que tu vas devoir subir un peu ou être euh, sur une rigueur défensive beaucoup plus importante, Frankowski sera euh, un élément beaucoup plus euh, stable derrière pour euh, renforcer la défense. Voilà. Euh, on est donc à quelques heures hein, de, la, de la clôture de, de ce mercato. Euh, donc là, est-ce qu'on a des infos euh, de dernière minute En plus, euh, vous n'avez pas grand-chose sous le coude, là, les, les, les copains On ouais, a une question. Rien. On a une non, question, logique, Tiens. Logiquement, là, c'est. Si on prend euh, des précautions, je dirais que c'est bouclé. Logiquement, il n'y a plus de. Ah bah, Jusqu'à 23h, là, c'est fini. Ouais, il y a notre Didier là qui fait cacuta Va-t-il rester euh, Et si oui, est-ce qu'il a, est qu a toujours envie de jouer pour Lens Car hier, sa rentrée m'inquiète. C'est que... une bonne question. Bah, surtout qu'en plus, tu... c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais, euh, mais Lens a pris euh, donc Alexis Claude Maurice là, le, le Niçois, euh, qui est euh, vraiment euh, le même euh, même profil de joueur. Enfin voilà, qui a qui a été numéro 10 il euh, euh, y a pas longtemps. Donc euh, est-ce que tu l'intercales entre David Perra da Costa et tu relèves Gaël Kakuta au rang numéro 3 à ce poste C'est compliqué, enfin tu vois, il y aura je sais pas si on peut dire une guerre d'ego mais il y aura quelque chose à gérer là-dessus parce que tu as un petit jeune qui est en train de monter et si tu si tu le remets tout de suite sur le banc, je sais pas si tu casses sa progression. Kakuta, bah écoute, il est il est encore pas trop mal même si voilà la carrière ça, ça se termine tout doucement, je pense. Il a refusé Nantes, oui, bah, non peu... non il y avait un accord avec Nantes je crois mais ça c'est enfin qui le l'avoir voulait... libre en fait enfin c'était un peu ouais. c'est encore un petit peu un peu fouli, mais, euh... mais le truc c'est que est-ce que tu prends en prêt sans option d'achat un Claude Maurice qui a besoin de se relancer pour le mettre sur le banc toute la saison je ne sais pas là vraiment pour le coup la question se pose sur euh, se poste de numéro 10 comment est-ce que tu gères euh, ta, ta rotation avec ces trois joueurs bah après num numériquement tu as Ignatius Ganago qui est parti euh, tu peux peut-être aussi penser à ce que Wesley Said soit un peu plus repositionné en pointe, parce que c'est vrai qu'on a vu que parfois Wesley Said avait tendance à suppléer David perrard costa en l'absence de, de Gaël Kakuta. C'est vrai que moi, l'entrée de Gaël Kakuta hier, moi, je ne l'ai trouvé pas dans le coup. Euh, et après, il faut se dire que le mercato n'est pas fini, euh, parce qu'il certes, il finit en Europe à 23 heures, mais il y a des destinations pour Gaël Kakuta qui peuvent être intéressantes par la suite. Je crois que le marché au Moyen-Orient ou autre, dans l'idée peut-être d'aller chercher un, un dernier gros contrat, c'est encore ouvert dans ces pays-là. Donc après. Il y a cette question de se dire, est-ce que Lens essaye d'aller chercher un chèque, euh, certes modeste, mais, euh, mais derrière, c'est de le remplacer. C'est-à-dire que là, bon, tu as, as perdu Berg, euh, Ganago, si tu perds Kakuta, il aurait peut-être fallu potentiellement aller chercher un troisième joueur. En tout cas, c'était la volonté francaise, fran tu perds un joueur, faut le remplacer. Ça a pas l'air d'être cette dynamique-là pour l'instant. Voilà, donc à voir, mais c'est vrai que moi, Lens, le, 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 la grosse inquiétude, enfin, ce pas grosse inquiétude, parce que Lens tourne bien sans, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, tout doucement, commence à être de plus en plus hors du coup. Et ça fait mal au cœur, quelque part, de voir un enfant du Racing. On se souvient, il y a deux ans, son entrée en matière à Nice, qui était exceptionnel. On a tous vu cent fois ce, ce petit pont qu'il fait, etc. Et cette saison exceptionnelle. Et de le voir là aujourd'hui, ça fait un peu de peine, quand même. Et peut-être à la fois pour le club et pour le joueur. C'est comme pour Ganago, pour moi, et comme pour Berg aussi. Des fois, il y a des joueurs où c'est mieux qu'ils partent. Euh, ce ne pas des mauvais joueurs, mais ils vont... ça ira mieux pour eux ailleurs. Et là, on se peut les remplacer par des joueurs qui arriveront à être un peu plus dans le, dans le mood parce qu'on voit qu'il n'y est plus clairement. Après, numériquement, euh, Berg est parti. tu as, as fait venir Onana. Euh, tu fais ah bah venir, tiens. Tu fais venir Claude Maurice. T'as pas, pas de départ sur ce poste-là. Hein. Donc pour moi, euh, Claude Maurice vient suppléer Kakuta. Malheureusement, je pense que la direction sportive compte pas énormément sur lui cette saison. Ouais. Alors -ce justement, tu parles, justement oui. tu parles de, de Onana euh, Morgan. Qui nous demande que pensez-vous de notre nouveau joueur Onana Bah tiens, vas-y Mor ouais. euh, Morgan. Norman. Euh, alors objectivement, euh, je, je l'ai très peu vu jouer. Euh, je n'ai pas d'avis. Alors si Rémy euh, Willows ont, ont un avis, euh, pour le coup, je, je passe mon tour. Désolé. Ah bah, mais, mais, mais tu as le droit. Tu as le droit de passer ton tour. Qui a envie de parler de Onana Et là, j'ai l'impression que c'est en fait ah. le cadeau pourri. Quoi. Personne a envie de parler ah. de Onana. Non, personne mais... le connaît. Le mec, quoi. Ah. En fait, ce qui est pire, honnêtement, parce que d'ici, entre nous tous, on la pas Louise, elle se joueur. planque. Mais, mais après, bon, en se, en se renseignant un petit peu, en lisant les commentaires des uns et des autres, tu vois le commentaire de Luis Campos, qui est quand même un, un excellent recruteur quand il était au LOSC. Il faut savoir dire les choses. Il a vu des propos très élogieux, élogieux pour ce joueur. Il n'avait pas réussi à se faire sa place à Lille. En même temps, il y avait une concurrence énorme à ce poste-là. Il arrive à Bordeaux l'été dernier. Et c'est vrai que les supporters bordelais, ils, ils sont mitigés parce que d'un côté, je pense qu'ils en veulent à tous leurs joueurs parce qu'ils sont descendus en Ligue 2. Et, mais en même temps, tu as quelque chose qui est intéressant c'est ils disent qu'il a quand même fait des très gros matchs. Et ce qui nous énerve, c'est un peu la nonchalance du joueur, l'irrégularité, mais il a montré un très fort potentiel sur certaines rencontres. Et moi, je veux avoir un peu d'optimisme, de me dire que dans le mood du Racing Club de Lens, avec Francaise et cet environnement plutôt sain, il y a peut-être tout ce qu'il faut pour que ce joueur puisse exploser au plus haut niveau. En tout cas. Pour moi, c'est plutôt un bon pari. Il ne part pas comme titulaire. Donc, tu ne peux pas non plus avoir n'importe quel joueur quand tu, quand tu sais que derrière, tu vas jouer derrière Abdul Samed et Seko Fofana. Donc, euh, je pense qu'un joueur qui arrive, il a conscience qu'il va plutôt être sur le banc au début qu'autre chose. Donc, euh, moi, je suis plutôt satisfait en soi parce que Patrick Berg, il apporté pas grand-chose sur ses rentrées. Opération blanche. Derrière, on aura investi à peu près la même somme sur ce joueur-là. Donc, j'espère que ça ne peut qu'être une bonne surprise. Il a 22 ans, gros potentiel, avec un bon encadrement. Moi, j'y crois. Euh, bon, apparemment, il y a quelques supporters qui le connaissent mieux que vous, apparemment. Euh, Onana <laughs> peut faire de grandes choses. Marge de probation énorme, ça c'est Céline. On a Orano euh, qui fait très fort euh, Onana, mais joueur qui, qui manque de sérieux. Gros potentiel, gros volume, gros physique, un hein, profil style Fofana, mais qui manque de sérieux avec S, ça peut faire des, des étincelles. Euh, Onana, voilà. Il euh, y en a un qui fait, il a quand même fait une chanson pour Rihanna. Je sais pas où il a blague, mais euh, j'ai pas, ah, suis... pas compris... Si... Ah si c'est bon, je l'ai. Mais il faut je que, que tu regardes pas. la vidéo de la présentation du RC Lance d'ailleurs. Ah bah voilà. j'ai pas eu le temps les gars. Euh, J'étais en train de changer les couches de mon fils tout l'après-midi. Euh, eh, C'était une galère totale. Entre nous, magnifique la, dans la vidéo de présentation où il parle de, de la niche. De la niche, il a fait un passage à la niche. Ah bah j'ai pas vu. Euh, je vais aller voir ça. Euh, côté départ, bon bah Ganago hein, Ganago qui est, qui est parti à Nantes, ça y est, contre une indemnité d'environ 4,5 millions. C'est fort. Euh, euh, il y a deux ans, on l'avait acheté pour 6 millions à Nice. Et grâce au, logiquement au bonus de ce, de ce nouveau départ, euh, bah, le club devrait réaliser une opération blanche dans Man. Hein. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et on arrive à vendre euh, un joueur qu'on avait acheté 6 millions avec deux jambes. Euh, intact et on le vend avec une jambe et demie, 4 millions et demi plus des bonus. Donc c'est une super opération. On l'avait dit la semaine dernière pour Berg, mais on arrive quand même à une période où quand on a un joueur qui rentre plus tellement dans le cadre, on arrive à le vendre et on ne se le traîne pas pendant trois ans, quatre ans, des contrats, des salaires de 100 000, 120 000 euros par mois. Donc c'est une bonne chose pour lui et c'est un mec qui mérite d'être dans un club où il joue et où il va reprendre un nouveau challenge. D'autant plus que je euh, dirais faire cracher 4,5 millions et demi, voire six. Ouais, c'est quand même un petit exploit. À hein. je, je le préciser, donc c'est un <laughs> très bon coup qui a été réalisé. Ouais. <laughs> euh, dernière petite info. Alors, euh, Christopher Wu. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de médias là ont parlé euh, d'un possible départ de Wu. Selon euh, nos infos, Eloïse, euh, tu, tu, tu confirmes Mais Nantes, euh, ça ne va pas aller à Nantes. Ça c'est sûr. Lance à Dino. Nantes veut un prêt, donc euh, Lance a dit non. Ouais, et Nantes, euh, Nantes et Lance euh, dira euh, non. Euh, ouais. Lance, devrait Lance dire non à toutes les. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est à moins qu'il y ait un club qui arrive avec 10 millions d'euros sur la table, ce qui serait ouais, alors, faut impossible. Pas rêver. Euh, Lance ne compte absolument pas lâcher Christopher Roux parce que bah, c'est un peu compliqué si tu lâches ton quatrième défenseur là. Donc euh... non, non, il n'y a, pas, y a possible, pas de départ hein. de nous. C'est alors là maintenant, ça a l'air clairement refermé, mais n'était pas impossible. Il y avait plutôt une crainte du côté de de Rennes qui d'ailleurs était déjà intéressé l'année dernière, hein. on se souvient que Lance et Rennes étaient en concurrence pour le signer libre. Et là, en fait, on a une ancienne connaissance du Racing, Loïc Badet, qui part euh, en, en Angleterre parce qu'il est un peu barré en, en défense centrale. Et euh, il cherchait un défenseur. Et c'est vrai que Rennes aurait pu avoir les moyens de, de, de payer un transfert. Mais euh, au-delà d'une de, amitié de transfert conséquente que le club aurait pu mettre, c'est surtout que Lance... Euh, on n'aurait pas forcément eu la possibilité de se retourner pour trouver un joueur de la qualité de Christopher Wu. Certes, il est remplaçant, mais c'est un joueur à fort potentiel. Moi, je crois beaucoup en lui en l'avenir. Et puis, il est numéro oui. 4. Hein. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a un blessé, c'est lui qui joue. Donc, euh, réussir à trouver un jeune de, de sa qualité, ça aurait, été, ça aurait été compliqué. Mais ouais, il y a eu des, des offensives ces dernières heures. Euh, voilà, hein. je veux dire, il y a un bon début de saison et il y a des bons joueurs <laughs> à Lens Donc, c'est normal que qu'on essaye de se renseigner sur certains, euh, sur certains profils. Ah, on a, euh, Vous mettez euh, vos messages, euh, Julien, ou faut le garder euh, en nombre de défenseurs centraux, on est limité et c'est important euh, pour, pour le reste de la saison. Bon, les amis, on va se quitter. On va quand même mettre... Pour, pour se quitter, on va quand même se mettre cette petite vidéo là. Ça, oh, oh, oh. ça c'est beau. Oh, là, là. Ça, c'est du foot. Ça, c'est un stade. Quel plaisir. C'est fabuleux. J'ai regardé 30 fois la vidéo. <laughs> c'est pour ça qu'on aime le RC Lance. C'est magique. C'est complètement magique. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi Lance Foot. Très, très belle soirée à tous. On se retrouvera bien évidemment lundi pour le débrief. Prochain match, Norman, c'est face à. Dimanche à Reims. Ah, et tu y es en plus toi non Eh oui Je pense qu'il y aura pas mal de monde à ouais. Reims <laughs> Je pense que, je pense Attends que toute à la région va être transport. là -bas. Il y a un arrêté préfectoral ouais. sur les moyens de transport voilà. Alors je tiens, en parlant de moyens de transport euh, il, y a voilà. une, il y a une plateforme Qui s'appelle Stadium Go Exactement, passe décisif, euh. t'as vu Exactement non mais, ça... non mais toi Tu vas avoir ah, une revalorisation zirons, Une fait. revalorisation salariale Ça va être Là bon. On se voit demain On se voit demain Dans mon bureau de 1000% de revalorisation salariale De 0, ah ben, 0. 0 à 0 C'est ça De 0 à 0 Donc si vous avez Des, des, des problèmes euh, Si vous avez une bagnole Et que vous voulez remplir Votre caisse Pour diminuer votre coût Et faire du covoiturage Avec un autre supporter Qui veut y aller Il y a une plateforme Il y a des mecs Qui ont créé une plateforme Pour, bah, pour mettre en relation Ceux qui n'ont pas de voiture Et ceux qui ont une voiture Donc une plateforme De covoiturage spéciale foot pour se déplacer partout en france ça s'appelle stadium go voilà stadium go.fr donc pour aller à Reims si vous avez un problème de locomotion et vu le prix de l'essence en ce moment et eh ben ça serait pas mal de la remplir ouais, d'être à 5 dans la bagnole pour que ça coûte pas cher et d'aller supporter nos 100 et or merci éloïse passe une belle soirée tu continues à surveiller euh, bien évidemment le mercato je sur, euh, <laughs> sur l'ançois.com on et te fait f... des bisous salut mon Rémi salut Norman je bonne je soirée monsieur bonne soirée à tous et merci à vous euh, de nous avoir suivis nombreux pour cette soirée on se retrouve lundi passez une belle soirée ciao ciao allez au ah ciao coupe. salut